Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Black Paradise, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui n'est autre que l'épisode final de mon Let's Play sur Mark of the Ninja. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc la dernière fois, on s'était arrêté dans ce niveau, on avait fait le niveau prêt à voler. Et là, on est dans un niveau qui s'appelle Le Retour. Donc effectivement, il y a encore deux niveaux, mais je me suis dit pour l'épisode final qu'on ferait un épisode un peu plus long, mais du coup, qui marquera l'épisode final, justement. Your master, will you be ready? Mais bien sûr que je serai prêt, allez c'est parti. Donc voilà, on va commencer en longeant les rails. Alors les trains grondent, masquant les bruits de pas, ok. Ok, c'est parti. Bon, alors, que dire? Que dire pour commencer, c'est que notre personnage n'a pas de costume, hein. On l'a laissé avec le costume de base. On va vite faire garder les objectifs, donc infiltre Isomujo, donc je sais plus c'est quoi Isomujo, enfin ils l'ont pas précisé pour l'instant, à moins que j'ai pas eu le temps de le lire, mais bon, on verra bien plus tard. En saut, les petits défis à faire lors de la mission sont les suivants: ne te fais pas repérer avant d'avoir récupéré ton équipement, tue furtivement 3 hallucinations en moins de 15 secondes, et tue furtivement depuis une cachette après avoir utilisé là, et là, il n'y a plus marqué, bon ok. Bref, on va commencer tout de suite. Donc comme je le disais les amis, c'est l'épisode final. On s'était arrêté la dernière fois. Malheureusement notre ami dans le dernier épisode. Là ça sert à rien de faire ça. Rappelle-toi de la clé. Ah ok. Ah oh, c'est marrant. Alors ce que je viens de faire, c'est tout simplement, j'ai mis la lumière vers l'obstacle qui était devant moi, et l'obstacle est devenu invisible carrément. Date gros délire, j'ai envie de vous dire. Je vais juste regarder. Ok. Bon. Là, il suffit juste qu'on infiltre pour l'instant un endroit, je sais plus lequel. J'arrive plus à prononcer le nom. Allez, vite, 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 vite. Hop, voilà, c'est bon. J'y vais en mode furtif. Oula, alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ok. C'est parti. 2, 3. On va lever ça. Bon, pour l'instant les amis, on avance un petit peu, hein. On avance prudemment. On avance un peu, on verra bien ce qui se passera plus tard. On infiltre, hein. Alors on a un chemin à suivre. Du coup. Ah oui, faut que j'aille où. Ah voilà. Donc on découvre un truc qu'on n'avait pas découvert dans les anciens épisodes, c'est que la lumière permet de rendre ces blocs là invisibles. Vite! Non, j'ai pas eu le temps. Faut que je refasse. Voilà, alors. Je tourne le levier, ce bloc se lève, là c'est invisible au fond, et maintenant, allez hop, je saute, c'est bon, j'y suis. Pour l'instant, on n'a pas croisé d'ennemis, tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux. J'aurais peut-être pas dû faire ça, j'en sais rien. Ok, donc là, notre coéquipier ninja, qui est juste là, est en train de me dire, effectivement, c'est vrai que durant toute l'aventure, durant tout le let's play, on a vraiment utilisé ce tunnel pour se sortir des endroits où on pouvait pas aller. Et que là, c'était l'inverse. Là, on voulait tout simplement l'utiliser pour infiltrer en cachette et non pas s'évader. Ok. Hop, voilà, bon. C'est pas très intéressant, mais je viens de tuer une souris. Oui, c'est génial. Voilà. Oh là, il y a un métro carrément. Vous êtes pas sérieux? Waouh, c'est trop cool. Ah, ok, bon, je suis mort. Ok. J'avais pas vu que c'était électro. Enfin, je savais pas que oui. J'avais pas compris que j'allais me faire électrocuter. Those tracks will kill you, and so will the train. LOL, je suis mort. Ah oui, il fallait que je me mette là, ok. J'ai compris. Comme quoi, même dans l'épisode final, on découvre des nouvelles choses, hein. Et je me suis dit, bah du coup, pourquoi pas faire un épisode final un peu plus long que les autres. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait marquer le coup, j'ai envie de vous dire. Voilà, hop. On a fait. Oula. Est-ce qu'il nous a vu? Allez, viens toi, viens. Non, il veut pas venir, ok, non. Retourne-toi alors. Je comprends pas, j'arrive pas, je peux pas le tuer.
Ok. Attention détournée. Ok, pas de problème là-dessus. Allez, allez. Tu retournes à ton endroit. Voilà. Hop, on va l'attirer vers le fond. Comme ça, il nous embêtera plus. Et là, on va crocheter la serrure. Alors oui, c'est... Voilà, on a tué les rats parce que les rats faisaient du bruit. Oui, c'est vrai que je dois l'avouer qu'on avait acheté... Précédemment, on avait acheté tout simplement quelque chose qui allait nous permettre de crocheter les serrures beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est sympa, j'ai envie de vous dire. Par contre, j'arrive pas à comprendre une chose, c'est que effectivement, je ne peux pas les tuer. Ça, pour tout vous dire, je comprends pas. Normalement, ils me proposent, quand je suis derrière eux, de... Je sais pas, de les tuer, tout simplement. Enfin, oula, oula, oula. Voilà, on va les attirer là. Maintenant, on les attire vers là. Est-ce que je pourrais... Descendre, voilà. J'ai l'impression que j'ai quelques petits bugs, c'est assez bizarre, mon pauvre. Allez hop, on se fait pas repérer, on a eu de la chance. Donc là sur la map, on voit qu'il y a quand même pas mal de nouvelles choses du type des. Voilà, des espèces de métros. Oui, des métros, oui. Donc ça, c'est cool. J'espère juste ne pas me faire voir, ça pourrait être sympa. Allez là, c'est bon. Non. Non, non. T'as pas le droit de me tuer. C'est l'épisode final, t'as pas le droit de me tuer. Oh là là, elle m'a tué. Bon, ok. Elle m'a rien repéré. Alors, où est-ce que je vais maintenant? Où est-ce que je vais? C'est ce que je suis en train de me demander. Ok, on a un nouvel objectif, on va récupérer l'équipement ninja, mais on ne sait pas où il est. Comment ça, on ne sait pas où il est? Ce n'est pas possible. On doit avoir une indication, donc pas grave. Si on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il est. Du coup, par où on va passer? Par là, hein, je pense. Si on pouvait pas se faire voir, ce serait cool. Alors là, vas-y, toi tu passes. Voilà, on s'est pas fait voir. C'est ça qui est bon. Donc là, je vais passer par le haut, hein. J'ai l'habitude maintenant de passer par les endroits un peu plus en sécurité, on va dire. Alors normalement, lui. Voilà. Ok, alors vite, vite, vite. Voilà. Est-ce qu'il est mort ou pas? Il va mourir. Non mais sérieux, il y a autant de points de vie que ça? Mais tuez-le! Il y a bien un moment où il va mourir quand même. Waouh, il a cassé la vitre, ok. Il m'aura pas! A priori, je peux pas le battre. Alors c'est marrant, mais depuis en fait depuis l'épisode numéro 11, donc je répète, on est à l'épisode final, l'épisode numéro 12. Bah depuis l'épisode numéro 11, sérieusement, je vais vous le dire, j'ai l'impression que je peux plus tuer personne, c'est assez marrant. Quoi? Il se passe quoi? Ok, je comprends pas ce qui se passe, on part. Ah oui, ok, j'ai compris. Non, j'ai pas compris. Ah, ok, ok. Alors, le truc. Donc là, faut que je lève ce truc. Là, enfin, faut que je laisse... Que je lève, excusez-moi. Que je lève ça. Et là, je vais devoir déplacer ceci. Parce que vous voyez, les nouveaux blocs donc qu'on déplace et qui produisent de la lumière, s'ils produisent de la lumière sur ces blocs-là, qui sont juste ici, eh ben, tout simplement, ils deviennent invisibles. Sauf que là, voilà, j'ai enlevé la lumière. Et j'ai envie de vous dire que c'est beaucoup mieux. Ok, mais je comprends toujours pas à quoi ça sert. Où est-ce que je dois aller?
4, 5. Mais je comprends toujours pas où est-ce que je dois aller. Est-ce que je devais aller en haut? Ah, enfin, on va pouvoir acheter des nouvelles techniques, voilà. Tissu de parachute, en tombant ou en sautant, appuyer sur appuyer ou maintenir espace pour ralentir ta descente. Je vais acheter ça. Tue un ennemi neutralisé rapidement. Ok, je vais acheter. Non, je peux pas acheter ça, il me faut 6, dommage. Après, je peux rien acheter du tout, hein, donc. Non, je vais pas acheter. Alors, est-ce que ça servirait ça? Ouais. Non, je préfère acheter, économiser pour autre chose. Du coup, voilà, j'ai des nouveaux costumes. J'avais le style normal, j'avais le style. Alors, il y a la voix du ninja, la voix de la marque, la voix de la puissance, la voix du chasseur et la voix du silence, tout simplement. Je vais mettre la voix de la marque. Alors, attendez, je vais juste regarder la description. Ok, alors je peux utiliser la marque de sénérité. De sérénité, pas de sénérité, je confonds toujours. Transporter. Ok, bah je vais utiliser ça, allez, c'est parti. Hop, et là, la marque de sérénité. Oh là, je vais jamais y arriver. Donc, sacré vieux taillir, même mort. Non. Ah! Alors, à ce que je vois. À ce que je vois, j'aurais récupéré quelque chose. Tue furtivement 3 hallucinations en moins de 15 secondes. Ok. Donc maintenant, je dois aller jusqu'à là-bas, atteindre le complexe principal. C'est parti. En fait, je répète un autre objectif de cet épisode, qui sera l'épisode final et un peu plus long. Regardez, hop, parachute. Oh, c'est tellement bon. Parachute. L'objectif de cet épisode final va être tout simplement... Ouah, non, c'est pas possible. Ok, faut que je passe par le haut. Voilà, je passe par là. 2, 3, 4, voilà. Oh, c'est génial. Ok. Notre objectif va être de tuer notre maître qui n'a pas du tout la même façon de penser que nous. Hein. Du coup, on est en total désaccord, on va dire. Alors là, je vais utiliser ceci. Hop. Voilà. Alors, à quoi ça a servi que je les ai tués? Bah, Ça m'ouvre quoi? Ça m'ouvre le chemin vers là, mais... non, c'est tout, à peu près. Est-ce que je peux aller encore plus en haut? Oh, merde. Ah, merde. Bon, là, j'y suis déjà allé. Ok, bah, je peux pas aller plus haut. LOL! Oh, c'est génial, regardez, c'est du parachute. À l'état pur. Ah, bah voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tué quelqu'un, je me disais aussi. Donc, ouais, à ce que je vois, on a une nouvelle lame. LOL, mais c'est tellement stylé, il y a trop de swag. Allez, mon truc préféré, best ever dans ce jeu, le lancer de cadavre. J'ai presque acheté le jeu que pour ça, quoi. Hop, voilà, on tue un nouvel adversaire. Et voilà, regardez. On obtient des... alors, je sais pas c'est quoi, des espèces de lumière qui... qui s'échappe. Ah oui, effectivement, il y avait une porte en bas blindée, on pouvait pas y passer. Donc voilà, on y va. On avance dans le niveau. Alors du coup, oui, c'est vrai que ça va être un double niveau, cet épisode final. Il y aura deux niveaux lors d'un épisode, simplement. Je l'ai déjà dit, mais je me répète. Alors, où est-ce qu'on en est là? Oh non, putain. Est-ce qu'on tente? Oui, on peut y aller. Alors. Merde. Non, elle m'a pas vu, c'est bon. Ok, de toute façon, je me planque là. Attirement d'attention. On pouvait passer par en bas, je vais essayer de passer par là quand même. Il y a mon ninja en bas qui est en train de bouger. La teuf. Alors, veux-tu bien dégager, s'il te plaît? Non repéré, ok, c'est cool. Ou non, tu vas prendre cher. Non, j'aurais cru l'avoir. Bon, pas grave. Oh là là, ça vient. Ça devient très chaud. Non, elle m'a eu. Bon, ok.
Faut que je m'arrête juste ici en fait. Voilà, j'ai compris. LOL, ils me font respawn. Je vais faire semblant de me faire tuer. Ils m'ont fait respawn juste. Ok. Bah oui, ils m'ont. Attends, il y a eu un bug du jeu là, je pense. Ils me font réapparaître. Juste à côté de quelqu'un. Ok, d'accord. C'est pas grave, je la tue. Tu es là. Bon, ok. Ah, voilà, ça a arrêté de bugger. Vite. Hop. Non, arrêtez. Bon, ok. Elle est complètement en train de bugger. LOL. Il y a eu un bug total. Ils m'ont pas vu. Bon, bah, j'en profite, je prends la fuite, hein. Allez, salut! Attaque surprise. Bon, ok, ça a pas marché longtemps, à ce que je vois. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Mission discrétion, non. Absolument pas. J'aime pas être tout seul avec une fille dans une cave, ça semble bizarre. Je trouve ça bizarre. Je m'en fous, j'ai récupéré un parchemin. Pas grave, voilà. Est-ce qu'on aurait... Alors, tu furtivement 3... Je regarde encore les défis, hein, excusez-moi. Allez, tue-le. Bon, ok. Je vais le laisser tuer parce que sinon... j'y arriverai jamais. Voilà. Donc, c'est parti. On respawn juste ici. On va attirer l'attention de tout le monde vers là. Vas-y mon petit. Hop, voilà. Je me disais aussi, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas... LOL, c'est génial. Ah ok, en fait cette lame retransforme tout le monde en ninja. C'est assez bizarre, enfin, je comprends pas, bon c'est pas grave. Dans le pire des cas, c'est pas grave. Alors, par où on passe? Ah, je crois qu'il faut passer par en haut parce qu'en haut il y a un truc à désactiver. J'ai désactivé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais ça nous servira sûrement. Ouais, je peux pas tuer mes ennemis comme ça. Oh, c'est trop stylé la façon dont ils remontent. Est-ce que si j'utilise ça... Ah! Hop, là c'est des ennemis tranquilles, on va les tuer. Ils m'auront pas! Bon, je me suis fait avoir. Voilà, lui il est mort. Ah mais du coup je perds pas mal de points, c'est un peu chaud. Non. Alors surtout, les ennemis y a pas... Voilà. Les ennemis à éviter, c'est les ennemis en vert là, qui nous détectent. Ils sont vraiment chiants. C'est des pires. Lol, ok, c'est parti. Je prends la fuite, je m'en fous. Cette chance. Dites-moi qu'il m'a pas vu, s'il vous plaît. Non, bon, il m'a vu. Eh, là franchement on y va à la one again, hein. Franchement c'est à la YOLO totale. Ok, ça a pas marché, j'en étais sûr. Pourquoi y aller comme ça dans un jeu d'infiltration? Je le répète, c'est un jeu d'infiltration, hein, pour ceux qui ne le savent toujours pas après 12 épisodes. Lol, bon. Nous allons faire la chose suivante. Non, ils m'ont pas vu. Hop, voilà, nous avons tué l'ennemi. Oh non, ils m'ont vu. Ils ne mourront pas. Merde. Salut tout le monde. Allez, hop. Fallait que j'aille comme ça depuis le début, en fait. Hein.
Voilà, c'est bon. Non. Bon. C'est pas la bonne technique. À mon avis, il vaut mieux que j'y aille en mode discret. Ça vaut mieux. Hop, on se met là. Faut juste que je fasse super gaffe au sniper. Ok, ça va pas marcher. Allez, essaye encore, on y va. Ça n'a toujours pas marché. Ah oui, j'ai pas désactivé la lumière aussi, je me disais aussi. Alors, la lumière est désactivée. Prenons notre temps. Mais pas trop non plus. Le sniper qui recharge en plus, bon allez. Tu dégages, c'est quand tu veux. Quand même, le jeu, c'est vrai que le jeu est vraiment sympa et je trouve que ce qui est très sympa dans... Hop, voilà, tête est mort. Ce qui est très sympa aussi dans le jeu que j'ai beaucoup aimé le long de l'aventure, c'est que c'est vrai, il y a eu beaucoup de phases répétitives, c'est toujours la même chose, voilà, toujours de l'infiltration, etc. Mais... Waouh, quand... Je me suis fait tuer de la... Non, je suis obligé de recommencer jusqu'à là. Ils sont pas sérieux. Mais mettez-moi un checkpoint juste avant, c'était mieux. Non, c'est pas ça que je voulais faire, ok. Voilà. Allez, vous savez quoi, on y va en mode YOLO. Non, ça veut pas. Bon, j'aurais voulu y aller en mode YOLO, mais bon. Si, c'est pas possible. C'est la combienième fois que je me fais tuer là, ça devient abusé je trouve. Voilà. Excusez-moi de faire patienter, mais ils auraient dû mettre un checkpoint juste ici, c'était trop bien. C'était trop beau pour être vrai. Donc oui, c'est vrai que le jeu a beaucoup de phases très répétitives, c'est toujours la même chose, voilà, mais le fait qu'ils mettent des pièges en plus, des niveaux de plus en plus durs, mais faisables tout le temps, parce que si c'était infaisable après ça serait chiant. Bref, c'est beaucoup mieux en tout cas. Enfin, je trouve que ouais, vraiment ça c'est... on se lasse pas spécialement, enfin en tant que joueur, personnellement moi je le dis, je me lasse pas spécialement du jeu, dans le sens où ouais c'est toujours la même chose, c'est toujours le même niveau, etc. Non. Au contraire, là cette fois-ci c'est... Enfin, moi je suis absolument pas lassé en tant que joueur. Ok, alors normalement là-bas il y a le sniper. Le sniper doit être juste là. Tu m'as fait chier tout à l'heure, je vais te faire chier maintenant. Voilà. Hop. Housse. C'est parti. Donc là je vais pas me faire avoir, faut pas passer par en bas. Il y a carrément des pièges mais de fou quoi. Ils inventent des pièges mais de malade quand même les mecs. Voilà, si on passe juste en bas là, bah, on se prend un méchant piège. Non, mais vraiment un méchant piège. Par où faut passer? Enfin, on est obligé de passer par là. Putain. Est-ce que je peux utiliser un truc, un pouvoir? Non, y a rien. Non, y a vraiment rien. Non plus. Non, c'était la mauvaise idée. Voici la mauvaise idée du jour. Bon voilà, je sais pas ce que j'ai voulu faire. Ah voilà, là il y avait un checkpoint, au moins c'était bien. Donc lui, tout à l'heure il nous a posé pas mal d'ennuis, on va le tuer tout de suite, hein, quand ça sera fait. J'adore. Là, le parachute. Je vois pas comment on peut passer, hein. je vais essayer de voir. Oh là là, ils sont sérieux. Je suis obligé de la tuer comme ça, de toute façon, parce que là... Bon, on va dire ni vu ni connu, d'accord? Ouais, c'est sûr. Il est temps d'affronter Azai, oui. Donc Azai est notre maître, hein, et donc... à cette heure de la nuit, il doit être dans son jardin. Bah ouais, pourquoi pas. Ne sait-on jamais. Hop.
Non, oh putain. Comment j'ai pu me faire opérer? Allez. Salut. Il est pas sérieux, Sly. On s'est fait repérer. Du coup, on gagne plus de points avec ces TP hein, maintenant. Il y a une âme bizarre là. Hop, voilà. C'est parti. Let's go. Oh non. Ouais, je peux pas le tuer là. Bah, de toute façon, je suis pas obligé de tuer tout le monde, hein, donc je vais le laisser tranquille celui-là pour une fois. Je dois aller vers. Oh là là, je dois aller juste là-bas. Jusqu'à là-bas plutôt. Ça va être chaud, mais bon. Allons-y. Donc. Lol. Non, tu n'as mal vu, c'était pas moi. J'arrête vraiment pas de me faire repérer dans cet épisode, mais bon. Lol, voilà. Il m'a tué, au moins il m'a tué, c'est mieux. Bon, alors. Par où on passe? Non, je suis en train de passer du mauvais côté, ok. C'est parti. On se tape un sprint. Ok, il a rien vu. Ouais, je vais pas pouvoir l'avoir comme ça. En plus, il voit pas, il y a la lumière sur moi pourtant. Hop, on sprint vers le haut. Ah, est-ce que ça fait quoi si. Ouais, je suis obligé d'aller ici, non? Voilà. Et voilà, lui, il nous en mettra plus. C'est good. Regardez l'espèce de tapis qu'il y a ici qui est en train de bouger, ça me stresse. C'est très stressant. Ah, j'ai fait sonner le gong, me demandez pas pourquoi, je sais pas. J'avais envie. J'allais dire on a qu'à essayer de passer par le haut, mais au final on peut pas, donc. Donc voilà. Là la porte est verrouillée, donc on est obligé de passer par. Attendez, on est obligé de passer par où? Ah oui, par là. Une fois encore, je leur dis, on n'est pas obligé de tuer vraiment tous les ennemis, donc si on peut éviter de les tuer, bah non, c'est le contraire. Si on peut les tuer, vaut mieux essayer. Mais si on n'y arrive pas, on les tue pas et voilà, on s'en fout. Donc lui, il est mort. On va tuer quelques lampes aussi. Putain, elle est stylée mon épée quand même. Hein. Mon épée, mon sabre, pas mon épée. Mon sabre ninja. Hop, et de deux, je fais sonner le gong. Alors, j'aurai juste les défis, hein. Tue furtivement 3 administrations, ok. J'aurai des vite fait les. LOL! Ça sentait bien le j'allais me faire tuer là. La proie de la chauve-souris. J'adore les défis. Les défis qu'ils nous envoient. Nous avons pas mis les pieds ici depuis que nous étions gamins ou un truc comme ça, ok. C'est vrai que du coup, on est à. Je te souviens de ce test. Non, je m'en souviens pas, mais si tu pouvais me rafraîchir la mémoire, ça m'aiderait bien. Donc déjà, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette statue? Ok. Hop. Non. Oh non. C'est le pire piège au monde, ça. Comment je peux tomber dedans? Impossible. Ah, juste, j'ai envie de faire un truc. Voilà, attirer son attention, j'avais envie. Donc là, surtout, ne rien faire avec le levier. Hop là, y a plus rien. Good. Je savais pas si je pouvais le tuer, mais oui, je peux le tuer, donc tant mieux. Non. Je me suis pas fait avoir. Absolument pas. On éteint les lumières. Enfin, on est censé éteindre les lumières. Ah, c'est dommage, on a été détecté là. Bon, pas grave.
Hop, et on l'a tué. Bon, on a été détecté, mais on continue notre petit bout de chemin, j'ai envie de vous dire. Tu ne nous vois pas. Tu ne nous vois absolument pas. Allez. On attend que ça. Enfin, qu'il parte tout simplement et on va le tuer. Allez, good. Voilà, furtif. Ok, alors là, faut passer par l'autre côté. Faut passer par en bas. Putain, le ninja, il est trop silencieux. Il a du swag. Good, voilà, on les a tous tués. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant? Là, on peut tirer là-dessus. Ah, je crois avoir compris. Ok, c'est parti. On a tout simplement à mettre. On va tout simplement mettre plutôt les lampes. Voilà, sur les deux masques que vous voyez juste ici. Et voilà, mais. Ah, est-ce qu'il faudrait pas faire l'inverse plutôt? Je pense pas, mais on sait jamais. Ah, voilà. Non, il l'a toujours. Ah, oui, il y a un problème. Il y a un œil qui est pas allumé, effectivement. Donc, pour ceci, pour faire. Enfin, pour l'allumer, on va appuyer là-dessus. Merde, attendez. Ah, merde, on peut pas? Ouais, on peut vraiment pas? Alors, comment on fait? Lol. Ah bah oui, il fallait faire l'inverse. Hein. Alors, il fallait faire de la façon suivante. Voilà. Donc là, on a mis la lumière sur les deux espèces de masques enchaînés avec des chaînes, ça c'est bizarre. Et on a pu actionner le levier qui était juste ici. Ah, par contre, oh non. Oh non. Pas trois ennemis comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. The doors will open on their own after a few moments. Just hold on. We know you're in here. Oh non, arrêtez. Ils ont pas droit. Je vais me faire vilainement piéger. Mais ça va être vilain. La porte, c'est laquelle? C'est celle d'en haut? Putain. Non, c'est pas possible. Attendez. Je suis sûr qu'ils vont arriver les trois en même temps sur la face. Ça va être assez horrible. C'est ouvert, sors de là. Mais par où? Je vois pas par où passer. Je sais pas par où passer, tout simplement. C'est ouvert, mais je peux me dire c'est ouvert, moi. Oh non, dommage. En fait, je comprends pas par quelle porte est ouverte, parce que concrètement, ouais, non. Ah oui, j'ai compris. La porte qui est juste en bas, ok. Je vois, je vois, je vois. Je propose qu'on attende là, hein, comme tout à l'heure. Vous êtes sûr qu'ils sont que 3? Parce que là, franchement, j'ai l'impression qu'ils sont. Ils sont 5-6. Et quelle porte? Je vois pas la porte. J'ai attiré leur attention là. Du coup, alors par quelle porte on passe? Ah bah sûrement la porte. Attendez, faut pas qu'ils descendent. Voilà, ils descendent. Faut pas qu'ils descendent. Ah, oh, bah ils descendent, voilà. Bon. Ils vont me repérer là, c'est obligé. L'alarme est déclenchée. Là, c'est horrible, c'est horrible. Je vois pas de quelle porte vous parlez. Attendez, je vais faire exprès de me faire tuer. Je vais juste voir, voilà. Il parle de cette porte là, ok. Donc il parle de la porte principale. Bon, maintenant que j'ai compris les consignes, ça devrait aller mieux. Hop, bah je vais me cacher comme la dernière fois et ça ira mieux hein. Sur ce, j'ai aussi envie de vous dire, bah on continue du coup en parlant de ce let's play qui était vraiment assez sympa. J'éteins la lumière. Let's play assez sympa et donc il continue mais il durera, c'est vrai que le dernier épisode va durer quand même assez longtemps hein. Je ne vous le cache pas effectivement puisque ça sera un peu comme deux épisodes combinés en fait hein.
Get out of there. It's open. Bah ouais, je veux bien, mais est-ce qu'elle pourrait partir? Voilà. Hop, voilà. C'est bon, c'est fini, je peux partir. Ah, good. Ah bah dis donc. Hop, j'ai l'impression que c'est super zoomé en fait, c'est assez bizarre. Bon, voilà. Alors, où allons-nous maintenant? Bah maintenant on va aller un peu plus loin vers là-bas. Hop, c'est parti. Maintenant, plus rien ne nous sépare d'Azai. Effectivement, on est dans le jardin et Azai se trouve, on nous l'a dit, dans le jardin. Donc, on va voir ça tout de suite. Hein. Ouh là là, on y arrive, on y arrive. Ah bah voilà, voilà, notre maître, il est à nous. On va se le faire, bitches. Welcome home. Il devrait dégager, hein, franchement. Hop, passé, c'est bon, on passe, on passe. On joue le niveau suivant. The voice you hear is temptation. It is trying to trick you, to turn you against us, to lead you into madness. You must not let it. I've never lied to you. You swore an oath to save the clan. Sacrifice yourself. Reclaim your honor, and you will give us a chance to survive. The clan gave up its honor, its guts, and its pride. It's not worth saving. I will leave you to make your decision. Take our ancestral blade from its shrine, and come when you are ready. Mais qu'est-ce qu'il croit? Je l'ai dit dans les derniers épisodes, c'est vrai. Et je le redis, je vais tuer, je me sacrifierai jamais. Ou alors sauf si le scénario m'en oblige. De honte, ouais. N'en fais pas trop non plus, hein. N'en fais pas trop. We must cleanse the rest of the clan. None of them have any honor. Ok, ok. They called him Azai the Measured, but Azai the Fallen will be his legacy. Je trouve que cette cinématique et cette séquence a du swag quand même. Franchement, je le dis. Allez hop, c'est parti. Un levier. Bah je l'active alors. Ne me laisse pas tomber. Allez, c'est parti, on prend notre épée. Donc voici l'histoire de l'encre hein, qu'on va nous raconter. Ah, j'avais même pas compris que c'était moi qui jouais la cinématique. Donc là on va bien écouter l'histoire de l'encre, hein, donc l'encre que notre héros a sur lui hein, depuis le début de l'aventure. On entend un gong de plus en plus fort. On se croirait vraiment dans un flashback presque. You
Waouh, alors la décision ultime, à votre avis les amis, qui ont choisi? Qui ont choisi? Affronter notre maître ou tout simplement trahir notre ami qui est ici depuis le début? Bah, non, franchement. Franchement, j'ai envie que ce soit un combat ultra épique. Je prendrai le maître. J'adore. Et je m'attendais à un combat épique, moi. C'est quoi ce scénario? S'il vous plaît, remboursez, d'accord? C'est pas possible. Oh là là, moi, ça a été furtif en fin de compte, hein. Et bien voilà les amis, bah c'était à mon avis ça doit être le générique de fin. Je m'attendais à un combat ultra épique moi à la fin contre le maître. Après j'avoue que c'est comme c'est un jeu d'infiltration, il n'y aurait peut-être pas eu une phase de combat non plus parce qu'on n'a pas spécialement de coups spéciaux pour affronter quelqu'un en face à face. On a plus appris à se battre dans l'infiltration, dans la description, donc c'est compréhensible. J'ai trouvé franchement le scénario assez sympa, mais vraiment le dernier chapitre qu'on vient de faire à l'instant c'était juste génial. Ça a un peu résumé toute l'aventure. Puisque on a vu des espèces de flashbacks, des actions de toute l'aventure, des moments passés lors du scénario, des cinématiques, etc. Bref, c'était vraiment assez sympa. Pas déçu. Bon, c'est vrai qu'à la fin, je m'attendais à une cinématique de ouf et tout, mais c'est vrai que c'est facile, c'est classe, c'est simple. Il le tue et voilà, tout simplement. Donc, c'est pas mal, franchement, voilà, bien. Bah un bon jeu, franchement, comme il n'y a pas de multijoueur, hein, je peux en conclure tout simplement que c'est un bon jeu, j'ai bien aimé le jeu. Très content d'avoir fait ce let's play, alors je vais pas non plus vous mettre tout le générique en entier parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes. Mais bon, en tout cas c'est un jeu vraiment sympa, Mark of the Ninja, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous le prendre ou quoi que ce soit, franchement il est sympa. Effectivement à la fin du jeu on peut plus faire grand chose. Enfin, je pense, on verra ça tout de suite. D'ailleurs, je vais faire échappe. Voilà, on va passer la séquence de cinématique du générique. Mais vraiment, un jeu bien sympa, quoi. Voilà. Par Microsoft Studio. Alors, tu as débrouillé la nouvelle partie plus. Tu peux commencer une nouvelle partie plus difficile, mais en gardant tout ton équipement et tes améliorations. Les ennemis ne seront plus mortels. Les anneaux sonores ne s'afficheront pas. Et... voilà, c'est coupé. Comme quoi, je retire ce que j'ai dit, on peut toujours refaire le jeu en plus hardcore, et du coup c'est génial, parce que quand on refait le jeu, bah tout simplement, voilà, c'est une nouvelle partie plus, et on garde tous nos équipements, franchement c'est sympa. Bon bah sur ce les amis, j'espère que ce let's play vous aura plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire pour ceux qui sont toujours là et qui écoutent les vidéos lorsque je suis en train de parler actuellement, hein, qui ont regardé le let's play en entier, ou même si vous avez regardé que le dernier épisode, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire ce que vous en pensez de ce jeu, en tout cas, moi, d'un point de vue global et général, j'ai plutôt bien aimé, vraiment. Effectivement, il y a des fois où on se dit, tiens, bon, on va encore faire ci, on va encore faire ça, des phases encore de combat, etc. Mais il y a quand même une innovation tout au long du jeu, hein. Il y a des nouveaux pièges, des nouveaux ennemis, une difficulté toujours plus difficile mais faisable justement, parce qu'il y a certains jeux où c'est vrai que pour maintenir le joueur ils mettent la difficulté de plus en plus difficile, mais à la fin elle est presque plus faisable, j'ai envie de dire. Bref, celui-là, ce jeu a vraiment été super sympa. Voilà, super sympa d'avoir joué à ce jeu et de l'avoir fait en let's play. N'hésitez pas, donc oui, comme je l'ai dit, vous commentez et vous mettez un petit j'aime, bah, tout simplement si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, on se retrouve bientôt bah, du coup pour de prochains let's play, parce que j'ai encore plein de projets sur des niveaux let's play, etc. J'ai plein d'idées en tête et j'ai plein de jeux assez sympas que je pourrais faire en let's play, donc je vais pas hésiter à faire un let's play sur un autre jeu, je pense. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut !